Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment créer un graphique de progression sur Excel comme celui-là. Alors, commençons. Tapis vente. Ici, stock. Ce qui reste en stock. Sélectionner les cellules, ensuite les bordures de l'intérieur en gras et ajouter la taille. Ensuite centrer, voilà, colorer les cellules. N'importe couleur, par exemple. Alors maintenant, allez dans l'onglet développeur et insérer un bouton. Clique droit sur le bouton. Ensuite, allez dans format contrôle. Toujours taper 100. Ici 0. Et on va relier avec cette cellule. Ensuite, OK. Commençons. De l'autre côté là, vente. Reste en stock. Alors là, égale cette cellule. Ce qui reste en stock égale 100 moins cette cellule. Et voilà, là tapis 5, et là tapis 5 aussi. Alors maintenant, sélectionnez ces cellules. Ensuite, allez dans Insertion et choisissez ce type, par exemple celui-là, 3D. Et allez dans ce bouton-là. Ensuite, supprimez le titre, on n'a pas besoin. Ou de cliquer juste ici. Aussi ça, on n'a pas besoin. Alors, clique droit sur le graphique là. Choisissez cylindre,